Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Boss pour la suite de Crash Bandicoot 2. Donc à la fin, c'est arrêté à Hanging Out. Et donc on va avoir les deux gemmes de Ding Ding Hit. C'est parti. Donc on est à la avant-dernière salle du jeu. Donc on est bientôt à la fin. Il ne reste plus que quelques pas. Donc on va récupérer toutes les caisses. Ne pas mourir de préférence. Toutes les caisses, la gemme de la tête de mort, etc. Donc pour les têtes de mort, ce que je vous avais pas expliqué, c'est que il faut qu'on arrive jusqu'à la tête de mort sans mourir. Sinon elle disparaît si on meurt. Faudrait refaire le niveau. Donc c'est tout près ce que j'ai expliqué. Ouais. C'est tout. En fait, si on meurt, en fait, elle devient invisible, la tête de mort, et merde, je pensais réussir, comme la dernière fois. Il a tout pris, ouais, c'est bon. Excellent. Non. Alors, cette plante est malade. Aïe, punaise. J'allais dire un truc, mais chute. Ouais. Et bonus. Cette fois vous allez le voir. Y'a rien. Donc ce bonus est bâtard. Est-ce qu'il y a des caisses cachées? Une ou deux, je sais plus. Je sais plus où c'est. Ah, c'est même pas le temps. Je sais même pas si c'est là en fait. C'est pas grave. P. Non, en fait, y'a rien. Voilà. Ouais bah je sais plus en fait hein. Oui. Ou alors c'est à l'autre bonus. Je vais commencer par ici. En espérant ne pas mourir. C'est une tête de mort hein. Voilà. Déjà pour l'instant ça va. Oula. Hop là. Go go go, sans mourir. C'est pas mal. Voilà, cette plante va mourir. J'ai peur de mourir. Oula. Allez, le checkpoint, c'est bon, on est sauvé déjà. Oh. On n'aura pas à faire tout ça. Lâchez-moi les bases, lâchez-moi les bases. Enfin, lâchez-moi. Lâchez-moi. Oula. Ah bon, on a eu la gemme, j'ai même pas fait attention. On suit, Pongol. Ça y est. Bon, c'est trop long. On va quand même employer le... Non... C'est jamais. Mais... Là... Laisse-moi passer... Alors... Hop... Que je me coupe pas... Là... Je me protège quand même... Voilà, elle dégage. Au moins, s'il y a des trous, je suis arrêté vif, moi. Allez, hop, on peut pas aller plus loin quand il y a un trou. Au moins, je suis tranquille. Là, je suis moins tranquille. Ouais, voilà ce que je disais, je suis moins tranquille. J'ai bien fait prendre le C. Ah. Wow. Ouais, c'est chiant ça.
Ah mais la quatrième salle elle est casse-pied. Je vous le dis. On est pas mal. Mais au blaze non. Bon, au pire je prise les caisses et je récupérerai après. Là s'il n'avait pas sorti. Là, hop. C'est bon. Chance, je dégage. Après y'a qui? Je pense qu'on est bientôt à la fin quand même, on a fait pas mal de. Ah bien c'est déjà on est tranquille. Alors là y'a quoi? Oh mama. Alors là mon... j'ai du cul. Ou pas. Ah je suis allergique aux abeilles. Il se voit quand même. D'accord, je sais où je suis en fait. Mais punaise, j'ai tourbillonné. Bestiole. Ah merde. Moi comme un con j'y vais, voilà, vas-y. Fais-toi plaise. Hop. Hop. Ouais. Non. Ça me fait peur. Hop. Hop. Oula. Ah ici, super. Maman. Normalement je suis à la fin. Sauvé, maintenant il n'y a plus qu'à faire demi-tour. En espérant ne pas mourir. Laissez-moi tranquille. En espérant que j'ai chopé toutes les caisses évidemment. Parce que ça me fait peur cette histoire. Go go go. Hop. La 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 la. Oula. Je vais me manger le trou. C'est bon. Si on ne meurt pas, on est sauvé. Parce que comme j'ai activé le checkpoint, et eh ben pas le droit à l'erreur quoi. Wow, 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 wow. Voilà. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Là, on a toutes les caisses, je crois. Ouf. C'est bon. Oh yeah. Eh ben, il était chaud celui-là, moi je vous le dis. Voilà. Oh on a chopé loin, hein. On vient de loin. Allez, c'est parti. Il reste plus que ces deux niveaux et c'est fini pour la quatrième salle. Donc on y va. Cold Hard Crash, c'est parti. Donc je vais essayer de le faire du premier coup hein. Yeah. Alors on a quoi ici? Des pingouins. Bingo. Ah ben j'ai pris toutes les caisses en un coup. Ça me permet de reprendre des vies un peu parce que là. Ah. Voilà. Sinon c'est pas un problème, j'ai le masque maintenant. Wow. Sérieux là? C'est bon. Yup. Yup, penguin malheur. Hop là. Première étape terminée. Facile. Bon. Soyons concentrés parce que ce niveau est hard. Je ne plaisante pas. Oh yeah. Allez bonus.
Alors nous avons ça et ça. Bon, j'en ai à peu près rien à battre du tout. Voilà. Ah voilà. C'est ça le truc bâtard. Une caisse en haut. Une fois j'ai fait tout le niveau en me faisant chier et je savais pas qu'il y avait une caisse en haut. Du coup je me suis niqué. Y'a rien d'intéressant. Pétez tout. Ouais, je me prends plus la tête maintenant. Hop. Olé. Ouf. J'ai failli tomber. Comme une grosse merde. Et voilà. Oula. Boum. Hop là. Petit hérisson. Et boum, l'hérisson. Hop, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Hop là. Checkpoint. C'est parti. Allez, le moment le plus difficile du niveau. Oui, je prends pas les caisses parce que vous allez voir. Oh, il s'est passé quoi là? Mais non! Putain, j'ai plus rien contrôlé là. Pas dur, hein. Quand je vous dis que c'est dur. Oula. Oh bah attends. Voilà. Hop, j'aime récupérer. On y retourne. Voilà pourquoi je prenais pas les caisses. Maintenant, on va le faire normal. Hop, alors. Ah. Comme vous avez pu le constater, la caisse qui rend les caisses visibles, ben voilà. Bon, mais au moins. Oula, oula. Je sais plus où je vais là. Je vais ralentir quand même. Voilà. Hop, oula. Ouh, moi je vous dis c'est chaud. Non. Oh punaise, j'étais à la fin. Ah, c'est chaud.
Wouah. Bon, je récupérerai tout à la fin, hein, c'est bon, flemme. Sans, on revient quand même en arrière, donc c'est bon. Sauf ça quand même, parce que j'ai besoin du masque quand même. Je suis pas fou à ce point. Avec le masque, je vais niquer toutes les nitros. Bon, remarque, non, si je peux pas toucher, ça sert à rien. Alors là normalement ouais c'est les caisses. Oula. Alors là. Là si j'ai pas eu du cul. J'ai rien oublié. Ce serait con quand même. Non. Trou. Voilà, on va diminuer le truc et on va revenir sur la plaque. Bon, jusque là tout va bien. On va essayer de pas crever. Voilà. Fais pas chier, hein. J'ai pas envie de jouer avec le feu. Coucou hérisson, allume-toi. Voilà. Putain, j'ai trop peur de mourir et de recommencer là. Ah non, c'est bon. Je suis tranquille maintenant. Je peux me sentir tranquille. Yes. Voilà, tout ça pour 4 caisses. Lui il est fou de faire ça à côté de la nitro. Bon, je suis pas manque de pommes, hein, voilà. Hop, par contre là il y a une caisse qui ne pètera pas si je fais la nitro. Voilà, ne pas glisser ni ne pas tourbillonner, j'ai failli crever. C'est génial. Alors il y a quoi ici? Oh putain. Ouais, j'aime pas cet endroit là. Voilà. Ouais, voilà, je tombe normalement. Donc là, on peut pas. Voilà. C'est bon, on peut y aller. L'esprit sain. Attends, viens ici. Ah, dommage. Je voulais te faire péter la gueule. Et je fais ça tout le temps parce que. Pour être sûr que ça pète parce que. Là on a déjà 133 caisses, c'est énorme. Hop là. Voilà. On attend qu'elle passe. Go. Ça fait énormément de caisses déjà. Normalement il y en a 155, donc c'est bon. C'est le plus gros nombre du jeu, 155. Et c'est bon, on a le compte, donc c'est bon, c'est sûr. On a la gem. C'est là qu'ils te font. Non, 156. Non. Donc c'est bon. Yeah. On a la gem. Donc on est à 20 minutes, ouais je vais essayer de faire ruination. Ça vous fera encore une petite longue vidéo. Bah écoutez hein. Voilà. Vous emmerde. Parce
que après comme ça on aura fini la quatrième salle, on sera tranquille comme ça, il ne restera plus qu'à faire le boss direct. Comme ça on fera direct le boss à la prochaine vidéo. Et ruination, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme Road to Ruin, je crois que ça s'appelle. Là, ne pas taper là parce que là il y a de la nitro. C'est pas comme l'autre, il y avait une caisse derrière. Oula. Oula. J'adore ces niveaux mais ils sont chauds. Voilà. Punaise. Ouais, on aurait besoin. Parce que en fait, si on actionne la nitro, ces caisses là n'exploseront pas. Mais si elles sont invisibles. Je suis obligé. Oula. Alors là j'actionne le C. Et je vais direct à la tête de mort. Voilà, donc voilà. Le truc qui sert à rien quoi, il fait hop, il va de l'autre côté et puis voilà. Oh là là. Avec la forte pluie j'entends rien du tout. Si le truc arrive. D'accord, t'as tout compris. Putain, c'est quoi ce niveau de psychopathe là? Tu n'avances pas, rien. D'accord, donc je dois aller en face. Psychopathe. Ça glisse, ça glisse. C'est des psychopathes sans déconner. Oh là là. Ah putain, c'est des psychopathes quoi. Oula. Ça fait peur, je crois qu'il est pas crevé. Et lui il va pas me ramener au bon endroit donc je meurs. Comme ça, ce qui fait que on a la gemme. Et on est tranquille, on redémarre là, on s'est arrêté. Hop là, hop 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 hop. Hop là, ouais c'est génial, j'ai réussi. Ouais c'est génial, j'ai réussi, là aussi. Je vais essayer de me dépêcher parce que ça risque de faire long. Oui, comme je vous l'ai dit, dans mon prochain let's play, ce sera des vidéos d'une demi-heure, donc Et ouais, oh merde. Mais bon, je vous dis pas encore que ça va être mon prochain let's play, hein. Suspense. Bon, encore je peux vous le dire, mais je vous dirai pas quel personnage je l'utiliserai. En fait, mon prochain let's play sera Dofus. Oui, Dofus. Et par contre, le personnage, je vous dis pas qui je prendrai, mais je sais déjà qui je vais prendre. Donc, ce sera des vidéos d'une demi-heure parce que ce jeu est vraiment en quoi, en 20 minutes, on fera rien. Donc, en une demi-heure, ça paraît logique. Hein. Donc voilà, Dofus avec des une demi-heure de vidéo. Et après, le personnage, voilà, secret. Hein, je vous dis rien. Vous le saurez vous-même. Enfin, quand le moment sera choisi. Donc oui, je vous avais promis de faire tous les crashs, mais je les ferai quand je finirai Dofus. Mais vous inquiétez pas, vous aurez pas que du Dofus. De temps en temps, je ferai des vidéos détente, des vidéos de test de jeu que je ne finirai pas, que je ferai juste pour m'éclater. Comme ça, ça vous quittera un peu de tout le temps Dofus, quoi. Parce que ça risque d'être lourd à force. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Olé. Je vais me faire dégriller. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oula. Je vois le feu, moi. Donc, mon truc, il est où? Waouh, celui-là, il tourne. Hop, 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 hop. Putain, j'aime pas ça du tout. Oh là là. Psychopathe. Hop là.
Alors là, faut pas se louper, les gens. C'est bon. Strike. J'ai l'habitude de faire des strikes, donc c'est normal que j'y arrive. Bon, alors. Tac, tac, tac. Allez, dernier petit boss de singe. Sans m'arrêter, voilà, je suis un fou, au revoir le singe. Ravi de t'avoir connu. Ravi de t'avoir battu. Et voilà. Terminé. Voilà. Donc il nous restera donc que deux vidéos pour la suite. Ah, cinématique. Crash, j'ai découvert que les forces ennemies sont sous la coupe du docteur Nitro Brio, l'inventeur du rayon des volants. Brio est le seul responsable de nos déplorables mésententes passées. Je ne l'ai aidé dans ses desseins destructeurs que sous la force et la menace, mais il recommence. Il est prêt à tout dans sa soif de puissance. Sois prudent, Crash. Prends la plateforme pour donner les cristaux à Engie. Voilà, comme vous avez pu comprendre, le prochain boss ce sera Engie. Qui sait ? Eh ben, vous le saurez dans le prochain épisode. Donc merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo, je sauvegardais parce que j'ai oublié. Abonnez-vous sur ma chaîne, mettez des pouces verts, c'est toujours plaisir. Et on est à 79%, on a avancé de 10%, yes, génial, magnifique. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode pour le boss numéro 4.